Voilà, nous allons nous faire, sinon nous allons être très attentifs aujourd'hui. Nous allons passer chaque mot au scanner, parce que dimanche dernier, nous avons laissé parler les docteurs Bosco Ben Youssef, bonjour, Bonjour, monsieur le journaliste. et Renaud Boris Mbota, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Ils ont eu la latitude de s'exprimer, de se rentrer dedans s'il le fallait. Et aujourd'hui, on va faire très attention à ce qui va être dit autour du thème Dieu, Satan ou le diable, l'homme, qui est la cause des malheurs de l'homme. 3 minutes pour chaque prise de parole. Nous en aurons certainement 45 ou 40 minutes. Et donc, il y a à boire et à manger. Docteur Bosco Ben Youssef, on va revenir, la pédagogie, la répétition est la mère des sciences. On se voudra aujourd'hui assez pédagogique. Dites-nous, dans votre premier temps de parole, qui est le diable, qui est Dieu? Alors, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je crois que le thème est plus que clair. Mais qui est le diable? Nous l'avons dit, le diable, c'est l'adversaire humain de l'homme, selon le dictionnaire tel que je l'avais défini la fois dernière. Alors, l'homme n'a jamais existé sur la question de savoir qui est Dieu. L'homme n'a jamais existé. L'homme, le mot homme, parce que c'est entre Dieu, Satan et l'homme qui est le malheur de l'homme. Alors, du fait que le mot homme n'a jamais existé, nous, les animistes, nous disons ceci. Le mot Dieu n'est que le fait que, dès que l'homme devient visible, il est appelé Dieu. Dieu, c'est la partie visible de l'homme. C'est-à-dire, en principe, si M. Diaz se trouvait en Chine, au Congo, ici, vous n'êtes plus visible, nous pouvons vous appeler Dieu. Donc, bon, enfin, c'est une erreur. Lorsque vous voyagez, vous êtes en Chine, vous n'êtes plus visible au Congo, non, on peut vous appeler Dieu. C'est-à-dire, le mot Dieu n'est pas un mot fracassant. Ce n'est que l'homme. C'est-à-dire, nous appelons Dieu l'homme. C'est la partie visible de Dieu. L'homme D'accord. et Dieu, c'est la même chose. D'accord. Et le diable? Voilà. Le diable, c'est l'adversaire humain de l'homme. Mais au sens chrétien du terme, que les gens entendent par le diable aujourd'hui, ce diable-là n'existe pas. Qui est à la hauteur du malheur de l'homme. Ce diable-là n'existe pas. Alors, pourquoi il n'existe pas? Le problème est simple. Je vais aller de façon pédagogique, telle que vous l'avez dit. Nous disons ceci, plus simplement possible. Si les hommes disent que le diable existe, c'est parce qu'ils n'ont pas la notion de ce que nous appelons par les contenus mentaux, monsieur le journaliste. Mais qu'est-ce que c'est que le contenu mental? Nous prenons le cas, par exemple, du mensonge. Le mensonge est un contenu mental. La tristesse, je voulais dire, est un contenu mental. Du fait que les gens n'ont pas eu les connaissances approfondies ou n'ont pas prêté attention à ce que nous entendons par les contenus mentaux, ils ont fait de ces contenus mentaux le diable. Je prends un exemple pour aller de façon thématique. 1 Roi chapitre 22, verset 34. Je ne vais pas lire dans la Bible de Yeshua, Mashiach, de Jésus, qui est l'auteur de la responsabilité que le docteur Mbota a aujourd'hui. Il est dit ceci. Akab parla à Naboth pour son champ. Mais lorsque, je n'ai pas la personne qui a le chrono devant moi, lorsque Naboth rejeta le fait. Je termine. Lorsque Naboth rejeta le fait que. Votre parole est terminée, monsieur Mbota. Ok. Merci beaucoup. Je pense que je vous ai écouté religieusement et comme nous avons assez de temps aujourd'hui, suffisamment de temps par rapport à la fois dernière, nous allons tenter d'apporter encore plus d'éclairage sur cette question. Et comme je l'avais dit la fois passée, que c'est une question qui est très vaste, parce que
en introduction, on n'avait pas défini dans quel secteur devait se résoudre le problème. Et déjà, rien que par la définition de Dieu, je vous ai écouté ici, je n'ai pas réellement... Bon, je ne sais pas si ceux qui vous ont écouté ont saisi qu'est-ce que vous avez voulu dire, pour montrer en quelque sorte que l'homme n'a jamais existé et que c'est quand l'homme devient invisible qu'il devient Dieu. Bon, vous avez dit ça dans le sens contraire, peut-être qu'il vous a manqué le mot pour le dire. D'abord, pour la définition de Dieu, Dieu c'est d'abord un être appartenant au monde supérieur ou encore au monde inférieur, ça dépend, puisque pour ceux qui croient au polythéisme, il y a des êtres qui appartiennent au monde supérieur, il y en a qui appartiennent au monde inférieur et qui sont doués de qualités de transcendance et par rapport à ces qualités, ils peuvent influencer sur les humains. Mais je prends la définition qui est la mienne en tant que croyant de ce livre qui est la Bible. Dieu est le créateur du ciel et de la terre. Alors, parlons de la notion de Satan, en disant que, voilà, nous les animistes, nous ne croyons pas à l'existence de Satan, évidemment. Avant que le blanc puisse arriver en Afrique, il y avait bien une religion. Et lorsque vous vous déclarez être animiste, je ne sais pas si vous pouvez nous donner la définition de l'animisme, puisque déjà, être animiste signifie quoi ? Signifie que vous croyez à la tradition orale qui est transmise. Vous ne croyez pas à une religion du livre. C'est ça ce qu'on appelle animiste. À moins que vous ayez une autre définition. Mais j'aimerais d'abord vous rappeler que tous les peuples africains, avant même l'arrivée de l'homme blanc, tous les peuples africains avaient une croyance fondée sur la divinité suprême et unique. Dans chaque coin, vous avez par exemple les Rougs. Rougs qui étaient adorés par les Sévères et Ama qui était adoré par le Dogon au Mali et Oludumare et... On n'oublie pas, chez nous, on avait Nzambi en Pungu, que les Congo adoraient, et Imana chez les Hutus. Mais tout ce peuple-là qui adorait ces divinités, quand nous venons d'abord chez nous, par exemple, il y avait Nzambi en Pungu, qui était le dieu suprême qui était adoré par le peuple Congo. Mais à côté de Nzambi en Pungu, il y avait aussi des divinités qui l'accompagnaient. Il y avait, par exemple, Ntangu, le soleil, Ngondé, la lune, Nzasi, le tonnerre, Lusemo, qui est la lumière. Mais il n'y avait pas la notion de Satan, mais seulement... il y avait quand même une expression qui pouvait désigner un acteur qui pouvait jeter le mauvais sort, c'est-à-dire le Ndoki. Et je vais revenir en prenant la parole. Ok. Bon, je t'attendais parce que la fois dernière, tu m'as dit ici que le docteur Ben n'était pas dans le débat, il n'était pas si chaud tel qu'il avait son verbe argumentaire tel qu'il a de l'habitude. C'est ce que moi je pressens de vous. Non, monsieur, vous êtes hors sujet. Vous êtes parti ramasser la cosmogonie africaine sans pourtant la maîtriser. Être animiste, ce n'est pas ce que vous avez cité là. Être animiste pour le docteur Ben, c'est maîtriser ce que nous entendons par le salut terrestre, M. Mota. L'homme a une âme. Vous comprenez? Vous n'avez même pas cité ça. Animiste, c'est ceux qui croient que l'âme, c'est Dieu personnalisé. Pour nous, Dieu, c'est l'âme, au sens profond du terme. Vous n'avez même pas touché. Vous êtes dans la cosmogonie que vous avez du mal même à maîtriser. C'est vous qui êtes hors sujet aujourd'hui, M. Mota. Alors moi, je reviens sur le sujet. Pourquoi le diable n'est pas responsable de nos malheurs? C'est simple à expliquer. Je l'ai dit au début ici pour commencer. Le mot diable signifie tout simplement contenu mental. Dans le mot contenu mental, nous avons par exemple le mensonge. Nous avons par exemple la tristesse. J'ai pris un exemple ici que vous ne voulez pas revenir sur la Bible. Akab parla à Naboth, qui le veut son champ. Lorsque Naboth refuse, Akab se met dans la tristesse. Allez-vous dire que c'est le diable qui a fait d'Akab de tomber dans la tristesse? C'est-à-dire, les comportements mentaux des gens, que les gens eux-mêmes sont responsables, M. Mota, pourquoi voulez-vous les attribuer à un être invisible? C'est vrai que je ne vais pas revenir sur la définition de Dieu que vous avez cité péniblement ici, tout en disant que c'est un être invisible qui est le créateur du monde et je ne sais pas, de la terre, M. Mota. Les théories de la physique quantique dépassent ces petits niveaux. C'est quantiquement. Ben voilà, il y a le Big Bang qui est même au-dessus de ça. Donc nous n'allons pas rentrer sur la création du monde. Nous allons revenir sur le fait que la pensée scolastique, les philosophes chrétiens qui ont eu de la peine à réconcilier les états mentaux des hommes avec leur responsabilité dans la cité, ont qualifié ces états mentaux de Satan. Et que vous, les chrétiens, que vous avez récupérés, nous venons par là, tout en vous disant ceci. Non, en tant qu'animistes, nous avons la maîtrise de la scolastique.
la pensée des philosophes chrétiens. C'est eux qui ont inventé ce parti psychologique que vous avez de la peine à dire ici. Puisque âme, nous sommes animistes, nous sommes mieux placés pour vous parler de la psychologie que les philosophes ont interprétée en voyant le comportement des gens dans les églises. Il n'y a pas Satan là. S'il y a Satan, prouve-nous, c'est Satan. La fois dernière, vous avez abordé le cas de Job. Du fait que sur les réseaux sociaux, on vous a critiqué sur ça, tu veux fuir ça. Reviens sur ça, monsieur Bouta. Parlez sur ça, on vous a critiqué sur Job. Merci beaucoup. Alors, prouve-nous que le diable existe et qu'il est à l'auteur du malheur de l'homme. Merci beaucoup. Déjà, j'aimerais déjà vous faire comprendre un élément très important. Même la fois passée, je n'ai pas dit que le diable était à la hauteur ou encore l'auteur des malheurs de l'homme. Donc, ne mangez pas le piment, votre piment dans ma bouche, s'il vous plaît, mon cher docteur. Alors, j'avais bien signifié, j'avais pris un cas d'exemple précis, dans le cas de Job, pour montrer le malheur qui arrive à un juste. Et je l'ai montré que, avant que cela puisse s'accomplir dans le temps, cela est d'abord défini dans la dimension spirituelle, parce que le temps n'est que le reflet de ce qui est invisible. Et j'ai montré comment le diable a éprouvé le serviteur de Dieu, sous la permission divine, montrant aussi les limitations, les limites qui étaient assignées à cet être qu'on appelait Satan. Alors, donc ici, là, je n'ai pas dit ipto facto que le diable est la cause de nos malheurs. Je ne l'ai pas dit. J'ai même signifié que Dieu aussi pouvait intervenir et pouvait aussi infliger des maux pour défendre sa justice, puisque une justice qui n'a pas de pénalité n'est pas une justice comme telle. Et c'est ce que j'avais souligné. Maintenant, pour aujourd'hui, puisque il est déjà démontré que tu as des sérieux problèmes au niveau de ce que tu prétends maîtriser comme étant la métaphysique, même la définition que tu viens de donner des âmes, je ne sais pas. Elle vient de qui? Où est-ce que tu l'as eu? Parce que la définition de l'animisme, l'animisme ici, déjà quand on prend Edward Taylor, il définit l'animisme, il dit que c'est toute croyance selon laquelle la nature est régie par des esprits analogues à la volonté humaine. Donc, dans la définition de l'animisme pur, tout ce qui existe, tout objet, est régi par un esprit. Donc, il y a l'esprit dans la matière et chaque objet qui existe a une âme. C'est ça la définition de l'animisme que tu n'as pas pu reconstituer. Et je t'ai dit, en prenant le premier temps de parole, pour te signifier que l'élément important encore que tu n'as pas compris, c'est qu'au niveau même de la cosmogonie africaine, il y a un élément important. Il y a le Nzambiampungu. Nzambiampungu était là, mais il y avait aussi le Ndoki. Et en dehors de Ndoki, le Ndoki qui avait le pouvoir maléfique, et vous le savez très bien, en tant qu'animiste que vous vous déclarez, qu'aujourd'hui, au niveau de l'Afrique, ça, on ne va pas vous l'apprendre, qu'il y a des hommes qui sont capables de composer un mauvais sort sur vous et de vous jeter un mauvais sort, et cela vous atteint. Donc ça, nous rentrons dans une autre dimension de fait, pour faire comprendre que dans ce qui arrive dans l'homme, l'homme est d'abord lui-même. Il peut être lui-même la cause de son propre malheur, tout comme il peut subir aussi des malheurs venant d'un autre homme, mais qui peut utiliser aussi des pouvoirs, que ce soit physiques comme des pouvoirs mystiques, pour influencer la destinée d'un homme et lui faire subir certains revers de la vie. Donc, ça sont des éléments qui sont importants. Alors, dans toutes les dimensions de la vie, donc s'il faut t'aider pour que tu comprennes le plus simplement possible, c'est de comprendre que l'homme est l'artisan lui-même, en quelque sorte, de son propre malheur dans certains niveaux. D'accord. Okay. J'ai une question quand même à vous poser. La question, en fait, j'attends les réponses des deux co-débatteurs. Qui est la cause des malheurs de l'homme? Est-ce que, à vous entendre parler, vous nous dites la même chose que c'est l'homme qui est la cause des malheurs de l'homme? D'abord, le docteur René Boris Botta. Qui est la cause des malheurs de l'homme? Bon, c'est comme je l'ai dit, la question est très vaste. Dans le cadre physique et dans le cadre pratique, l'homme, comme on le dit, l'homme est un loup pour l'homme. C'est-à-dire, rien ne peut se passer sur la terre sans que ce soit l'homme. Donc, l'homme peut être lui-même la cause de son propre malheur. Je prends juste un exemple de fait. Pour le besoin de s'accaparer des gains ou des raisons économiques et autres, l'homme est obligé de privilégier, par exemple, l'économie au détriment, par exemple, de l'écologie. Et en le faisant, il va exploiter, il va dévoiser, il va faire toutes ces choses-là. Et jusqu'à ce qu'il va créer même des armes. Aujourd'hui, nous avons des armes, par exemple. Les armes ont été créées pour se défendre dans le cas de conflits. Mais on se défend contre qui? Contre l'homme. Et en même temps, on peut faire la guerre et on peut s'autodétruire. En ce moment-là, l'homme est lui-même la cause de ses propres malheurs. Tout comme un homme qui, par exemple, maîtrise certaines lois. Il y a des lois qui sont ici, qui dit, par exemple, tu ne commettras point d'adultère. Un homme qui commet, par exemple, adultère, met sa vie en risque.
devant un époux jaloux, il peut subir le revers de son acte. Et lorsqu'il subit, il est lui-même l'auteur et l'artisan puisqu'il a conçu. Maintenant, en ce moment-là, c'est des mots qui peuvent être évités. Maintenant, pour ne pas aller loin, on peut entrer dans les destins conditionnels et les destins inconditionnels. Donc, il y a des choses qui peuvent, qui sont écrites, qui doivent... Que Dieu n'a rien à voir dedans. Au fait, non. Je ne dirais pas que Dieu n'a rien à voir là-dedans, puisque Dieu est le maître suprême de tous les esprits. Étant omniscient, la Bible dit qu'avant que l'homme n'existe, quand il était encore une masse informe dans le ventre de sa mère... Donc, ce n'est pas de la faute de l'homme. Disons qu'on ne dirait pas que ce n'est pas de la faute de l'homme, puisqu'il y a le destin conditionnel et inconditionnel. Dans le destin conditionnel, l'homme peut subir certaines choses s'il se met dans une certaine posture. Donc, s'il engage une certaine cause, il subit certains effets. Mais s'il modifie les causes, les effets aussi peuvent être modifiés. Ça, c'est le destin conditionnel. Quand Dieu, par exemple, dit « Je viendrai, je détruirai Ninive », mais lorsque Ninive s'est repenti de ses péchés, Dieu n'a plus détruit Ninive. Donc, ça, c'est un destin conditionnel. Mais il y a le destin inconditionnel. Donc, il y a des choses que vous pouvez subir sans avoir désiré, sans avoir causé quoi que ce soit. Vous subissez certains revers. J'espère qu'on vous a compris. Qui est la cause des malheurs de l'homme? Est-ce que c'est l'homme lui-même? Pour moi, je pense que si j'étais venu juste pour entendre le pasteur Mbota dire ce qu'il est en train de dire ce matin, il n'y avait pas de débat. Pourquoi vous avez organisé le deuxième débat? Il m'a rejoint. Il n'y a plus de débat. Non, je ne vous ai pas rejoint. Si, parce que vous étiez, j'arrive, vous okay. avez parlé. Oui. Bon, parlez à ma place. Non, allez-y, je vous écoute. Ok. C'est juste pour vous souligner que vous n'avez jamais souligné ce fait. Le docteur Bente, que vous l'avez dit la fois dernière, moi je voulais que tu élèves le niveau de ce débat. Ah d'accord. Non, pasteur Mbota, là tu patauges, tu commences à revenir sur ce que j'ai dit. Donc il n'y a plus de débat finalement. Écoutez, je vais vous enseigner. Il fait du plagiat. Alors, il fait que le plagiat. Bien. Pasteur Mbota, il y a ce qu'on appelle par les fruits mentaux. Parmi les fruits mentaux, je vais vous les citer. Vous avez par exemple, penser, juger, sentir, mentir, séduire, percevoir, désirer, vouloir. C'est les philosophes qui ont mis en place ce cartel des fruits qu'ils appellent mentaux. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'Église a eu un problème face à ces éléments. Tel que vous êtes en train de dire, à quel moment faut-il intervenir l'homme comme étant la cause de son propre malheur, et à quel moment faut-il intervenir Dieu, ou à quel moment faut-il intervenir Satan? Voilà les trois questions. C'est là où les hommes vont inventer deux formes de métaphysique. Autrement dit, l'explication des choses qui se passent dans le monde intelligible, invisible. Ils vont inventer la métaphysique générale, puisque je suis à la fois sur la question et sur mes minutes. Il a parlé, il a répondu à la question. Donc j'en ai peut-être six. Non, en fait, là vous répondez en fait à la question, il n'y a pas de problème. Alors, donc, les philosophes vont se buter face à cette réflexion. Du fait que les fruits mentaux tels que mentir, l'homme peut mentir, mais le mensonge n'est pas quelque chose de visible. En fait, vous me répondez à moi. Le mensonge n'étant pas quelque chose de visible. Alors, la question est simple, elle est directement. Et oui, je viens dans votre simplicité. Qui est la cause des malheurs de l'homme? Je pousse votre simplicité. Il y a des hommes d'abord qui ont réfléchi pour mettre l'homme au centre. C'est les penseurs, les philosophes. Ils vont dire ceci, du fait que l'homme ment dans la société. Alors, puisque nous sommes religieux, puisqu'ils sont théologiens, ils vont cette fois-ci personnifier les fruits mentaux de l'homme. Ils vont faire à ce que, au lieu que le mensonge soit appelé mensonge, puisqu'il n'est pas visible, il n'est pas l'être en soi, visiblement parlant, ils vont le personnifier. Il a dit la fois dernière ici que Satan, c'est un être. Il a bien dit, hein? Il a dit c'est un être visible à part entière. Aujourd'hui, il ne revient plus sur ça. Il l'a dit lui-même. Mais si c'est un être visible à part entière, il habite où? Il est où? Voilà la question dans laquelle les penseurs scolastiques se sont confrontés. Ils vont cette fois-ci dire, pour que l'Église ait les membres, si nous ne personnifions pas la peur, on n'aura personne. Ils vont cette fois-ci imaginer à la fois un être invisible qu'ils vont appeler Satan. À bien voir. Mais ce ne sont que les choses qui se passent dans un contenu mental de l'homme. On revient donc à la conclusion que la cause du malheur de l'homme, c'est l'homme lui-même. Mais c'est l'homme, le pasteur Mbota m'a rejoint sur ça. Il a d'accord. dit ici, il vous a fait la citation de Descartes. Je ne sais pas l'homme, le minimum. Donc, vous avez répondu les deux. La philosophie tâtonnable. Vous avez répondu les deux à mes questions. Et donc, c'est vous qui avez le temps de parole. Alors, avant de prendre la parole, alors, nous allons, avant de prendre la parole, oui. Monsieur l'animiste, on va calmer la pression.
Vous avez été plagié? Quelqu'un vous a plagié? Le pasteur Mota. Ah d'accord. C'est vrai, pasteur Mota, vous avez fait du plagiat? Ça dépend de ce qu'il entend par définition de plagiat. D'accord. On va suivre le régime. Il a écrit quel livre, quel document pour qu'on puisse les plagier. Je ne sais pas s'il maîtrise les concepts. D'accord. On va suivre tout à l'heure le résumé du face-à-face dernier, selon Marina Boisseau, suivant. Au cours de ce face-à-face, les deux débatteurs, chacun avec des arguments bien précis, ont su répondre à la question qui est la cause des malheurs de l'homme entre Dieu, Satan ou l'homme lui-même. Le docteur Renaud Boris Mbota, qui a centré son intervention autour de l'histoire de Job, a dans un premier temps indiqué que Satan était l'auteur du mal avant de reconnaître que Dieu peut également faire le mal, mais uniquement pour défendre sa justice bafouée. Le malin qui désigne Satan vient d'abord du grec ponores. Ponores signifie l'auteur du mal. Donc Satan est l'auteur du mal. Il est capable de faire du mal. Mais la différence entre lui et Yahvé, c'est que Yahvé peut faire le bien et faire le mal en même temps. Donc il peut faire le deux. Et il peut faire le mal pour défendre sa justice qui est bafouée envers les hommes. Mais Satan peut faire le mal envers le juste, puisque la Bible dit le malheur atteint souvent le juste, mais Yahvé l'en délivre toujours. Donc à partir de ce moment-là, on comprend que le malheur qui atteint le juste ne peut pas venir de Yahvé. Yahvé ne peut pas faire du mal à celui qui le sert, qui est fidèle à lui. Le concept mal ne dépend ni de Dieu ni de Satan. La nature de Satan a été fabriquée pour favoriser l'esclavage et la domination des autres peuples, a signifié pour sa part le docteur Ben Bosco Youssef. Tout ce que les hommes entendent parler du diable sur cette terre part de qui? Alors, ce n'est pas moi ou le docteur Mbota qui avons inventé ces concepts. On doit d'abord repartir un tout petit peu. Ce sont les Romains et les Grecs. Pour dominer un peuple tel que les Égyptiens, je prends les Africains bien sûr, puisque je le suis moi-même qui parle ici. Alors, les philosophes romains vont inventer ces concepts. Le mal doit être cette fois-ci qualifié de diabolos, et le bien, que je veux appeler ici de Dieu. Dans quel but pour assujettir les cités dans lesquelles ils vont dominer? L'homme moissonnera ce qu'il aura sémé, affirment les saintes écritures. Que ce soit en bien ou en mal, l'homme n'est-il pas responsable de ses actes? Qui du docteur Renaud Boris Mbota dit l'homme à l'ordinateur et du docteur Ben Bosco Youssef, l'homme à la valise, détient la vérité? Affaire à suivre. Voilà. En fait, on avait l'impression que vous dites la même chose. J'ai reçu des messages ici. Moi, on a l'impression que le dimanche dernier, vous ne disiez pas la même chose. Bon, vous avez la parole. Ok. 1 Roi chapitre 22, verset 34. Alors un homme tira son arc au hasard et frappa le roi d'Israël. Un homme tira son arc au hasard et frappa le roi d'Israël. Pasteur Mbota, à quel moment le hasard intervient dans la vie de l'homme? Vous allez me répondre à cette question, réfléchissez. À quel moment le hasard intervient dans la vie de l'homme? Parce que là, vous n'êtes plus du point de vue de Dieu, vous n'êtes plus du point de vue de Satan, vous êtes du point de vue de l'homme. Et le hasard, vous le placez où? Vous allez nous répondre à cette question. Alors, nous disons ceci, tel que Madame Marina nous a fait revivre ce que nous avons dit la fois dernière. Nous revenons sur ça. Ce sont les philosophes qui ont inventé ces concepts pour assujettir les autres peuples. Mais du fait que les gens se retrouvent dans un conglomérat qu'on appelle l'Église. Mais comment faut-il faut les tenir par une peur? C'est comme aujourd'hui. Nous avons un référent ici qui est le masque. Vous comprenez? Mais le masque en lui-même, il sert à quoi sans l'homme? À rien. Si nous le déposons ici, il ne servira à rien. Mais dès que nous le plaçons sur nous, il a de la valeur. C'est ainsi que les philosophes aussi ont attelé à cette démarche. Ils ont dit, mais le mensonge, comment est-ce que le mensonge en tant que tel peut-il être imputé à un homme? Il faut le personnifier. Il faut chercher quelque chose qu'on va nommer. C'est ainsi que ils vont développer deux concepts. L'un qu'on appelle l'effectivité intentionnelle visée. L'effectivité, les effets des actes qu'un homme lui-même vise intentionnellement, tel que cet homme. Il prend de l'arc, il tire.
Alors, qui lui a dit de le faire, pasteur Mota? Répondez à cette question lorsque vous allez prendre la parole. Qui lui a dit de le faire puisqu'il le fait au hasard? Donc, la notion de Satan, la responsabilité imputée à Satan, démontre les faiblesses qu'a l'homme de prétendre duper les autres peuples dès qu'il est repéré. Quand les autres repèrent que non, vous voulez nous dominer, les hommes inventent ce qu'on appelle par les valeurs du pouvoir. C'est ce que dit Nietzsche. Dans les valeurs du pouvoir, nous avons la corrélation. Si vous faites le bien, donc vous faites le mal. Si vous êtes ignorant, c'est que l'autre est vertueux. Si vous êtes pécheur, c'est que... Vous voyez, la fois dernière, vous avez même dit ici que rien ne peut exister sous ce monde tant pour qu'il y ait la polarisation. S'il y a le pôle positif, il faut qu'il y ait le pôle négatif. Aujourd'hui, vous n'êtes plus sur ça. C'est ce qui me fait un peu mal. Je ne suis pas venu ici pour humilier le pasteur Mbota, tant pour ceux qui me suivent. Moi, je pense que l'humanité, c'est ce qui fait l'homme. L'homme est humain, il doit être responsable de ses actes. J'ai de la peine à débattre, il faut me changer un autre débatteur, qu'on va faire le débat avec la contradiction. Ça veut dire que vous l'avez convaincu, en fait. Mais effectivement, puisqu'il revient, il n'a plus rien à dire là. C'est mon temps de parole. D'accord. Okay. Docteur Renaud Borisson. C'est mon temps de parole, et je vous vois quelquefois, parce que la fois passée, vous n'avez pas voulu que le débat soit centré sur la Bible, alors qu'on parlait de Dieu, en parlant de Satan et on parlait de l'homme. Et aujourd'hui, vous voulez ramener quelques versets bibliques, et lorsqu'on va vous les produire, vous serez encore là pour dire « écoutez, écoutez ». Mais déjà ici, lorsque vous parlez du hasard, le hasard, je ne sais pas si vous avez ouvert votre dictionnaire, parce que la Bible, au moins quand vous le lisez d'une main, lisez aussi, et aussi dans l'autre main, le dictionnaire pour voir ce que signifie le hasard. Le hasard, par définition, est défini comme étant la fortune, le sort ou le destin. Donc en d'autres termes, c'est un acte qui n'est pas prémédité par l'homme. L'homme ne prémédite pas ce qu'il est en train de faire. Il ne fait pas un choix, un tri comme tel. Donc ici, déjà, ce qui est arrivé dans le cas d'Akab, si je peux te le rappeler, pour qu'Akab meure, il y a eu d'abord une fausse prophétie qu'il a envoyée sur le champ de bataille afin qu'il soit tué. Exactement pour que la prophétie qui était annoncée par Élie le prophète, qui avait annoncé que les chiens lécheront le champ d'Akab, puisse être accompli. Donc il y avait là un destin qui devait s'exécuter. Vous voyez? Donc, en parlant ici du hasard, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez voulu dire par là. Alors, quand nous revenons sur notre question sur les causes du malheur de l'homme, je l'ai dit ici même dans l'extrait qui vient de passer, dans l'extrait, j'avais bien signifié le malheur qui arrive au juste. Je n'ai pas parlé de l'homme en général. Et ici, je viens dans le cadre spécifique ou le cadre général, dans le fait pratique de ce qui arrive. J'ai pris un exemple de fait, l'exemple que vous n'avez pas rejoint, même quand vous allez dans le cadre pour dire qu'écoutez, nous, animistes, nous ne croyons pas ceci, mais au moins, les animistes croient à l'existence d'une force maléfique. Donc ce n'est que la force maléfique qui a été nommée par Satan. Mais ils croient à une force maléfique qui existait avant que le colonisateur arrive, qu'on appelait le Ndoki. Et le Ndoki était le présumé auteur des sortilèges et le faiseur du mal. Donc capable de jeter des mauvais sorts qui peuvent influencer la vie d'une personne. Et je l'ai dit ici, sans vous rejoindre, je ne vous rejoins pas. Je l'ai dit ici que le malheur peut arriver à l'homme lorsqu'il peut être lui-même l'auteur de son propre malheur. Lorsqu'il va, par exemple, à l'encontre d'une loi établie, c'est une loi naturelle. Aujourd'hui, là, vous montez, par exemple, au cinquième étage d'un immeuble et vous sautez dans le vide. Vous êtes vous-même la cause de votre malheur parce que vous venez de le causer. Mais l'homme peut aussi subir des revers, des maux qui peuvent lui arriver sans en avoir été la cause. Il peut subir un incendie, il peut subir un accident, mais il n'est pas la cause. En ce moment-là, la cause de ce qui lui arrive est au niveau métaphysique. Ça peut être... Parce que si vous êtes allergique au terme Satan, parce que ce terme a été emmené par l'homme occidental, mais ça peut être l'Ndoki. Et ça, vous n'allez pas le nier. L'Ndoki et l'Nganga ont toujours existé au niveau de la mythologie africaine. Et l'Ndoki, nous connaissons sa définition, et même jusqu'à aujourd'hui, il existe. Mais vous êtes, maître animiste, et vous faites des délivrances et tout, des choses, des protections et tout. Okay. Vous les faites contre quelle sorte de force? Ok, vous êtes hors sujet. Voilà. Vous êtes hors sujet, vous êtes en train de tergiverser sur le mot Ndoki. J'ai écrit une brochure entre la conscience et l'envoûtement. Entre parenthèses, le sort. Vous m'amenez sur un terrain que vous ne maîtrisez pas. Tantôt vous dites le Ndoki, c'est Satan. Non, pasteur Mota, je ne sais pas aujourd'hui sur quel saint vous êtes en train de vouloir vous vouer. Vous n'avez plus d'issue de sortie. Ça fait trois fois, je ne vais pas vous suivre là-bas. Vous comprenez? Vous êtes en train de vouloir aller là-bas pour distraire le débat, pour rien. Vous faites de Ndoki le Satan. Non. Je dis que Ndoki, c'est un agent maléfique qui utilise un pouvoir maléfique. Ce pouvoir-là a une source. Tout pouvoir a une source.
Est-ce que ce Ndoki est visible, oui ou non? Il est visible. C'est mais, pas un homme. Mais il utilise un pouvoir. J'arrive. Vas-y. Astem Mbota, vous avez un problème épistémologique. C'est-à-dire de faire asseoir vos arguments sur les réflexions scientifiques. Crédibles. C'est ce que ça veut dire. Moi, je suis un épistémologiste fondamental. Alors, ne me perdez pas le temps, il m'a arraché quelques minutes. Le Ndoki, c'est un homme physique. C'est un homme. Ou un esprit. C'est un homme. Alors, puisque c'est un homme, c'est pas lui qui attribue le malheur à l'homme. Vous avez dit ici, aujourd'hui, vous parlez de l'homme. C'est pas l'homme avec H, c'est l'homme. Le Ndoki peut être une femme comme un homme, c'est pas l'homme. Vous avez cité la citation, je ne sais pas, de Descartes ici. L'homme est le loup pour l'homme. C'est vous-même. Pourquoi vous vous contredisez? On ne vous comprend pas, Pasteur Mbota. Vous avez face à vous un homme fin. On ne sait pas qu'est-ce que vous dites finalement, ce matin-ci. Vous dites que le Ndoki... Mais il n'est pas Satan. Il n'est pas Satan. Donc ne me faites pas perdre le temps là-bas. Nous sommes sur le fait que cet homme tire l'arc au hasard. Je vous ai dit quelle est la place du hasard. Vous faites le hasard un destin. Non. Dieu a dit dans le verset, dans le même verset de 1 Roi chapitre 1 verset 6, Dieu a prophétisé que Akab serait mort par son fils et non par celui qui va tirer l'arc. Dieu n'a pas dit ça. Vous êtes en train de mentir. Deux, vous en tant que pasteur, vous voulez que nous parlons de quoi? Vous voulez que nous ne parlons pas de Satan selon ce que la Bible veut? Vous ne voulez pas que nous brandissons les versets? Ne me faites pas perdre le temps pour rien, pasteur Mbota. Je n'ai même plus quelque chose à dire. Il n'y a plus le débat là. Donc, je reviens pour dire ceci, c'est-à-dire les précieuses minutes qu'on devait faire un débat sérieux, vous n'avez plus l'argument, vous êtes en train de tourner tout autour des Ndoki, de ceci, ainsi de suite. Pasteur Mbota, explique-nous qui est Satan réellement tel que vous avez parlé la fois dernière. À quel moment il est la cause du malheur de l'homme? Vous n'êtes plus là-bas. Je ne vous saisis même plus, pasteur Mbota. Donc, pour conclure, je vous laisse tout le temps de parler. Parce que je n'en ai plus rien à dire, vous m'avez rejoint. Vous parlez de Ndoki, vous parlez... Je ne sais pas là où je peux vous saisir. Pour conclure et satisfaire ceux qui m'entendent sur ce que vous avez dit. Pasteur Mbota, vous n'avez pas la maîtrise des grimoires. Vous n'avez pas la maîtrise des grimoires. Dans les grimoires, nous faisons asseoir ce que nous appelons par les évocations. Le monde des esprits, ce n'est pas le monde de Satan. Ne confondez pas Satan avec les esprits. Évoquez un esprit... En tant que moi, je suis homme. Pour le projeter et faire le mal à une personne qui est homme, ça ne dépend pas de Satan parce que Satan ne nous le dit pas. Est-ce que je vous fais comprendre? C'est-à-dire, Satan ne nous dit pas que c'est moi qui vous fais faire ceci. C'est l'homme lui-même qui est conscient qui fait ses évocations, pasteur Mbota. Vous êtes sur un terrain glissant. Votre parole est plusieurs. Merci beaucoup. Parce que je n'ai plus rien à dire. Mais évidemment, vous ne pouvez que ne pas avoir quelque chose à dire. Ça, c'est tout à fait normal. Déjà, ici, lorsque vous niez ipto facto, parce que déjà, quand on parle de Ndoki ici, Ndoki, c'est un être humain, mais qui utilise un pouvoir maléfique. Et tout pouvoir a une source. Le pouvoir n'est pas dans le vide. Tout pouvoir a une source. Il ne peut pas manipuler les esprits sans que les esprits-là puissent avoir une source. Et Satan, je l'ai défini la fois passée ici, la Bible dit qu'il est le prince de la puissance de l'air. Donc c'est un être qui existe, et c'est ce que je n'ai pas nié ici, je n'ai pas changé d'argument, je n'ai pas changé d'avis, c'est un être qui existe. Et j'avais bien expliqué en conformité avec ce qui est écrit dans la Bible, que tu prétends vouloir défendre aujourd'hui et puis exploiter aujourd'hui, que Satan est un être qui agit. Mais lorsqu'il agit, puisqu'il tient tous les hommes sous sa volonté, sous son pouvoir, sous sa coupe, à cause de la nature pécheresse de l'homme. Mais lorsque Satan agit, Satan ne peut pas agir sur un homme juste, sans en avoir reçu la volonté permissive de son maître qui est Yahvé. Et lorsque Satan agit dans l'histoire de Job que je t'ai conté la fois passée, je vous ai rapporté la fois passée, c'était pour montrer que Satan peut agir sur le juste, mais avec la permission divine, et cette permission lui donne des restrictions. Donc son pouvoir est limité sur le juste. Yahvé lui dit, va, je te le livre, mais ne touche pas à sa vie. Et quand Satan arrive, il n'a pas pu toucher à la vie de Job. Mais il a quand même pu toucher à la vie des enfants de Job. Il a pu toucher à la vie des serviteurs de Job. Il les a fait passer par l'épée. Mais comment est-ce qu'il a fait? Satan n'est pas descendu comme un être comme ceci. Il est venu, il a motivé les Chaldéens. Il a motivé le peuple qui était les Sabéens, qui étaient des peuples voleurs, tueurs, brigands. Et ils ont agi. Donc ici là, ce que tu peux avoir comme de sérieux points pour comprendre, comme je te l'ai dit ici, que au niveau même de l'Afrique, tu n'as pas pu prouver le contraire. Il y a l'Ndoki. L'Ndoki peut jeter le mauvais sort.
Le Ndoki peut manipuler les esprits, mais ces esprits-là travaillent sous le concours d'un être, d'une puissance, parce qu'il n'y a pas de puissance qui n'ait pas de source. Et la source de leur puissance, c'est une puissance maléfique, et elle vient de l'être qu'on appelle Satan, même si vous pouvez vouloir nier ça, son existence, mais au fait, on dirait ça au niveau peut-être de l'Europe et autres, mais pas au niveau de l'Afrique, nier qu'il n'y a pas le Ndoki ou encore un être qui peut permettre à ce que le pouvoir maléfique soit jeté à un autre homme. Donc, ça sont des éléments très importants. Maintenant, ici, déjà, quand vous parlez d'Akab, qu'il devait être tué par son fils, vous n'avez pas le verset qui le dit. Yahvé avait prédit. Il avait dit qu'Akab serait tué parce qu'il avait fait verser le sang de Naboth. Il serait lui aussi tué. Et même pour qu'il aille, pour qu'il soit tué, il fallait qu'il y ait une fausse prophétie annoncée, le mensonge annoncé dans la bouche des prophètes, pour qu'il puisse aller en guerre. Et quand il est allé en guerre, alors là, c'est accompli ce qui était déjà destiné pour lui. Donc, c'était là le destin. Inconditionnel. Donc, quoi que ce soit qu'Akab fasse, Akab devait périr de cette manière-là. C'était déjà voilà. Dit, je peux te c'est donner le verset. C'est la fin du face-à-face, il nous reste quelques 5 minutes. On va prendre un ou deux téléspectateurs qui poseront des questions et à Renaud Boris Mbota et à Ben Bosco, à Bosco Ben Youssef. On va prendre ces téléspectateurs. Bonjour. Allô. Bonjour, vous êtes en direct de CE 210. D'accord, il y a peu de temps, si vous avez des questions, si vous avez des propositions, on vous écoute. Ok, bon, en tout cas, je suis tellement déçu dès que je suis en train d'écouter les propos de ce monsieur qui est en train de parler de Satan qui n'existe pas. Il y a deux messieurs, lequel? Pardon? Il y a deux messieurs ici, lequel? Oui, bon, en dehors de celui qu'on appelle le pasteur, l'autre. Ok, d'accord, l'animiste. Il y a un chapeau, je ne sais pas comment, là. C'est à lui que je suis en train de m'adresser. Oui. Et je vais lui préciser certainement, là où il est, il doit le savoir qu'il doit être révélé par un esprit diabolique. Celui qui le parle... Non, il n'y a pas d'injure, il n'y a pas de qualificatif. Donné, voilà, allez-y. En toute courtoisie. Les gens nous écoutent et ils doivent comprendre ce que nous disons. Nous allons voir deux catégories de la vie. Mmh. Il y a la catégorie spirituelle et la catégorie physique. Mmh. Si lui, certainement, il ne croit pas en ce qui concerne la catégorie spirituelle, qu'il ne vienne pas distraire les chrétiens. Notre histoire chrétienne est une ancienne histoire qui date de milliers de siècles. D'accord. En dehors de son histoire qu'il est en train d'inventer aujourd'hui. D'accord. Donc, il a tort, il invente des choses. Il invente des choses, il a tort. Attendez, excusez-moi. Oui. Soyez bref, nous sommes à la fin de l'émission, s'il vous plaît. On ne monopolise pas la parole, mais on retient qu'il est dans le faux, il invente des choses. Voilà, je veux juste répondre à ce qu'il était en train de dire à l'autre. Je veux lui dire aujourd'hui que le diable existe. Ok. Dieu existe, c'est des sources de vie. Toutes les différentes vies que nous pouvons mener à une source. Merci, monsieur. On va donner l'occasion à d'autres personnes aussi de réagir, s'il vous plaît. Vous pouvez... voilà. Merci beaucoup, monsieur, pour cette contribution. Et le docteur Bosco Ben Youssef vous a suivi. Alors, on va prendre un autre... Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes en direct, on vous suit. Il nous reste 2 minutes. Vous avez à dire au docteur Mbota, au docteur Ben Youssef, par rapport au débat. J'ai une question plutôt pour monsieur l'animiste. Allez-y, rapidement. C'est-à-dire, j'ai retenu que c'est un être conscient et physique qui invoque les esprits. Mmh. Une question m'est surgie, d'où viennent ces esprits? D'accord, merci. Merci beaucoup. D'où viennent les esprits Ok. Allez-y. Rapide. C'est simple. C'est comme je peux poser la question, d'où vient l'inquiétude? Les esprits viennent sur ce que nous appelons par les contenus mentaux. Vous avez par exemple l'inquiétude, l'anxiété, l'absence de joie, la mélancolie, la baisse de la libido. Vous n'avez plus la force pour aller avec votre femme le soir. Est-ce que c'est le diable qui est à l'origine de ça? C'est pas le diable. Non, soyons pragmatiques. Les esprits viennent de nos cultures. Ne confondez pas les esprits avec Satan. Les esprits, ce sont les torches sur lesquelles les âmes des gens prennent de l'énergie. Chaque famille a ses esprits. D'accord. Je prends un exemple. Chaque famille a ses esprits. Si vous n'êtes pas aujourd'hui président de la République ou ministre, c'est pas Satan.
Si dans cette famille, il y a les esprits des gens qui doivent être intelligents, ils le seront. Si vous ne l'êtes pas, ce n'est pas Satan qui, qui est l'auteur du fait que vous ne réussissez pas l'école. C'est vous-même. Les hommes doivent être modifiés par la volonté de faire le bien. Si vous ne faites pas le bien, c'est vous-même. Dieu a dit, il a placé deux arbres devant l'homme, non? L'arbre du diable et l'arbre de la connaissance du bien et l'arbre de la connaissance du mal. Alors, d'où vient à Dieu aussi cette pensée de placer les deux arbres devant l'homme? D'où vient Merci à Dieu Merci beaucoup, docteur Bosco Ben Youssef. Je vais lire un message ici, c'est... Oh là là. Voilà. Didi Pina Silas qui dit « Bonjour, déjà j'ai du mal à comprendre Ben. Le Ndoki n'est pas le diable ou Satan, mais d'après lui, c'est qui? Est-ce que le Ndoki fait du bien? Je ne pense pas. C'est le mal incarné, donc c'est Satan. Mbota a raison. » Il nous dit « Bon dimanche. » Je prends encore ici Bioche, notre ami de la RDC. Il dit, il est depuis Kisangani, il dit, le pasteur Mbota, il est ridicule aujourd'hui, je m'excuse, parce qu'il n'a pas d'argument. Ça, c'est Bioche de la RDC. Là, nous sommes sur WhatsApp. Voilà. Bonjour, monsieur Diaz. J'ai une question pour le docteur Ben. Si l'homme est la partie visible de Dieu, alors la partie invisible représente qui ou quoi? Rapidement, revenez sur ça. D'accord, merci. Alors, c'est bien répondu ici. Nous allons continuer à lire. Bonjour, je suis devant l'écran. Mbota est bel et bien dans son thème. Voilà, ça c'est un message anonyme. Ici, c'est le message de France. Merci. Merci de prier le docteur Obéré de ne pas rabaisser le débat. Sous prétexte qu'il n'a pas d'argument. C'est dommage. Le manque d'égard vis-à-vis de son débatteur ne l'honore pas. Le pasteur que je découvre est plus construit dans son argumentaire. C'est Socatre Sungulu. Voilà. Nous sommes à la fin de l'émission Studio 210. On va lire aussi quelques SMS, voilà, pour être assez équitable. Voilà. Là, c'est Monsieur Ben n'a pas trouvé un pasteur de sa taille pour le face-à-face signé Martial Mingolo. Martial Mingolo qui le dit. Ici, message anonyme, le pasteur Mbota est en difficulté aujourd'hui. La question au docteur Mbota, d'où venait Satan qui a trompé Ève? Rapidement, en un mot. Satan est une créature de Dieu. D'accord, merci beaucoup. Vous avez votre réponse. Voilà, on a lu la majorité des messages. Merci à vous, le peuple de Sud-Sud. Est-ce que vous êtes là? Ouais. Voilà, le peuple de Sud-Sud est là. Merci au docteur Ben. Merci au docteur Renaud Boris Mbota. C'est la fin du débat. Vous avez suivi le reportage. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire. Et donc, la suite pour le dimanche prochain. Certainement que nous aurons deux face-à-face. Certainement que nous en aurons un seul. On vous dit au revoir. C'est la fin du face-à-face. Merci beaucoup.